Plus de 120 000 militants du PPACI n'ont pas pu se faire enrôler sur la liste électorale. Ces chiffres émanent de Sébastien Dano Djedjé, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Un manque à gagner pour le parti de Laurent Gbagbo qui dénonce une précipitation avec laquelle s'est effectuée l'opération de la révision de la liste électorale. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont fini de faire inscrire 20 militants. Wow. Ils ont fini ça. Quand on a vu ça, là, on a comme ça. J'ai lu tout à l'heure hier que non seulement ils ont fait 800 000 inscriptions là, mais il faut une prévision de 1 500 000. Ça, je ne sais pas d'où ça va venir. Hein. 1 500 000. C'est aussi une façon de sortir ce qui était caché. Hein. Voilà, ça, on voit ça. Les taux de participation qui viennent à minuit. On a réussi à 18h, finalement, à cause de 20 minutes de silence. Le parti se veut néanmoins optimiste quant à la réinscription de son leader Laurent Gbagbo pour assurer une élection inclusive. Le meilleur assureur, tout le monde va arriver au bout. Donc j'appelle ça une vraie. Il a dit que ces choses-là, ces règles, on va là, je regarde et ne s'en garde pas. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Moi, ça me suffit. Voilà. Ça me suffit. Dans l'objectif, dès que je viendrai en repos, soit non seulement sur la liste électorale, mais qu'il soit dans le vent. L'opération cruciale de la révision de la liste électorale, initialement prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024, a été prolongée d'une semaine et s'est achevée le dimanche 17 novembre dernier.